Salut à tous, on revient sur un nouvel épisode de Doom Eternal. On est à la recherche de Samuel Hayden et on a beaucoup de choses. La carte est encore très grande. Il reste beaucoup d'endroits à aller voir et également des objets à trouver. Je pense qu'il va y avoir encore trois épisodes, celui-ci compris, minimum, avant d'arriver au dénouement de ce chapitre. Donc il faut tirer avec la tourelle est. Alors il faudrait juste savoir où est l'est. Et ça. Bon, de toute façon, on nous dit où aller. Hein, donc il n'y a rien de compliqué. Ça va se faire tout seul. Donc on vient de récupérer une clé. Et là, je dois aller, je dois aller, je dois aller. Où est le point? Eh bien, je crois qu'il faut monter. J'y étais là? Non, j'y étais pas. Attends. Voilà. Putain, il lui en faut. Hein. Oh, je les regrette pas, mes deux grenades. Mon amélioration de grenades. Tellement pas. Munitions faibles. Voilà, on va mettre ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Juste en dessous, il y a une amélioration. Enfin, une amélioration. Un petit secret. Qu'est-ce qu'on a après? On a une amélioration d'armes juste à côté. Bah ben oui, je te vois. Mais il y a une porte qui doit s'ouvrir. Mais elle ne veut pas. Pas grave. Il y a toujours un mur à défoncer. Alors, les améliorations, qu'est-ce qu'on a? Alors, le lance-roquette, détonation à distance, rafale à verrouillage. Ça donne quoi? Bon, allez. Et en même temps, pourquoi il fait pas toutes ces améliorations tout de suite, tout seul, chez lui comme un grand? Ok, on va aller. Ici le docteur Elena Richardson. Entrée de journal 002. Analyse du sujet Doom Slayer. 24 janvier 2163. Il ne fait aucun doute que le sujet n'est pas un démon. Ses échantillons sanguins récupérés à la suite des événements survenus sur Mars démontrent que son groupe sanguin est AB+. L'individu est de sexe masculin et son génome ne laisse aucun doute sur son appartenance à la race humaine, en dépit de sa force, de sa vitesse et de sa condition physique qui pourrait faire croire le contraire. Les échantillons sanguins nous permettent cependant d'affirmer qu'il possède des corps étrangers d'origine inconnue. En tant que membre de la communauté scientifique, je ne peux adhérer à l'hypothèse formulée par certains de mes collègues selon laquelle il serait, à défaut de termes plus appropriés, un dieu. Un ange de la vengeance, le bras armé de la mort, envoyé sur Terre pour sauver l'humanité de ses péchés. Mais je ne peux pas non plus nier que les circonstances de son arrivée, l'identité de ses ennemis et le feu et le soufre qui caractérisent la catastrophe que nous vivons actuellement, que tout cela a fortement ébranlé mes convictions scientifiques. Ok. Donc on a beaucoup plus d'origine. C'est vrai que j'ai pas fait le précédent Doom. Alors le VFR, la version en...
Ah ok, faut pas tomber. Donc là, il y a un truc. D'accord, il va falloir accéder là-bas. La seule chose, c'est... Ok, et bah... Ça marche pas? Ok. Je pensais que ça allait... Ok, donc là on est ici. Il va y avoir des choses en bas. Secret trouvé. Oh oui, viens là. Alors, on pourrait commencer à charger un peu l'armure. Le prochain, je finis les munitions. Voilà. Donc là, on a fait le tour. Tu déconnes. J'ai pas vu où je devais aller en fait là. Ok. Et bah, on va se tenter ça. Mais c'est une blague. Il faut aller là. On est ici. Il y a une vie à prendre. Juste derrière. Là. Là, on rentre pas. Wouah! Eh ben, je pensais pas du tout que ça allait passer.
Ici le docteur Elena Richardson. Entrée de journal 005. Analyse du sujet Doomslayer. 2 février 2163. Peut-être s'agit-il d'un dieu. Peut-être est-il l'incarnation de toute la rage de l'espèce humaine, de notre volonté de persévérer, de surmonter les obstacles qui se dressent contre notre survie. Il est totalement intransigeant. Un être d'une violence implacable, incapable de s'embarrasser de la moindre notion d'hésitation, comme celle qui caractérisait nos dirigeants lorsque nous étions encore capables de jugement. Peut-il les vaincre? Seul? S'il en est incapable, nous tous en tant qu'espèce et toutes les autres n'y survivrons pas. Voilà. Je pense que c'est clair. Il y a un message quand même derrière assez important quand on regarde. Ils sont le fait que de dire c'est faut être beaucoup plus direct. Limite on se demande même. Ouais, bah quand il faut, hein. Ah la vache, j'ai plus que ça. Alors attends, je suis où là? Il va falloir grimper. Oh là là, il y a des zones où je vais pas... Ça va pas le faire du tout. Il faut travailler dur pour réussir. Alors. La grenade émet une seconde explosion plus étendue et non létale qui fait vaciller les démons. Chaque démon tué par l'explosion de la grenade libère des bombes sous munitions. Bah, les deux sont bien en fait, hein. Je sais pas. Ok, c'est parti. Donc. L'évolution est notre destin. Lorsqu'ils arrivent, nous arrivons. Oh, il faut monter dans l'avion. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer par là? Je suis curieux. Non, ça marche pas. L'évolution est notre destin. Lorsqu'ils arrivent, nous arrivons. Bon, j'ai besoin de munitions. Ah. Ah. Thank you.
Ok. Bon, bah ça c'est fait. Zéro munitions. Zéro mun. Et j'arrive sur une zone de combat. Et là-haut, il y a des trucs, mais il faut monter pour les avoir. Voilà, on va finir ça comme ça. Alors, mais sa gueule. Qu'est-ce qu'il gueule? D'accord. Qu'est-ce qu'il gueule? Bon, ok. Donc on a réussi à survivre à ça. On va continuer. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Devrait filer des munitions quand on finit les mecs. Y a pas ça? Y a pas ça là-dedans? Tac. Ah, augmente la durée d'étourdissement des ennemis. Ok. Initie une glory kill beaucoup plus loin. Ok. Les ennemis tués par l'onde de choc de frappe sanglante libèrent de la santé. Ok. Beaucoup plus loin. Ouais, bah ça c'est bon. Ensuite, glory kill plus rapide. D'accord. Obtenez un bonus de vitesse après avoir un. Ok. Si vous survivez un coup mortel. Le temps s'alentira. Non. Augmenter la maîtrise de vos mouvements dans les airs. Maintenez un. Ok, d'accord. Et ça, tuer les ennemis avec votre équipement tout en profitant des effets de votre rayon. Ouais. Ouais, bon, on prendra ça la prochaine. Alors là, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Thank you.
Il pourrait refiler de la mune quand on bute des mecs, quoi. Voilà. Ok. C'est du bouclier qu'il nous faudrait aussi. Alors, juste pour être sûr là. Eh non. Eh non, faut pas monter tout de suite. Ouais, là, on revient. Une de plus. Et là, on a. Allez. Échec. Mais j'ai même pas eu de... Comment? Dans le codex. L'histoire de l'enfer. Piétaille, tac. Cacodémon, s'il va... Mancubus. Pinky. Revenons spectre. Ah, la bombe givrée pour eux. Baron infernal. Doom Hunter. Bah ouais, mais non. Non, 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 non. On va la retenter, j'aurais bien évité d'avoir à refaire le niveau juste pour faire ça. Ce serait pas mal. Non. Alors qu'est-ce que j'ai là? Bon, allez, on va se le tenter.
Ok. Tant pis. On va pas claquer toutes les munitions. Donc, là on est... Je vais finir l'épisode un peu au-dessus. Oh merde. Pas assez. Putain. Donc là je suis. Tac, il y aura un secret juste à côté. Et de l'essence. Et j'ai même pas le lance-grenade en fait, c'est ça qui est dingue. En fait, on finit les munitions du fusil à pompe. Ben voilà. Haha. 999 666 à l'envers. Ah, j'ai ramassé un truc. Et voilà. Là, on va prendre celui-là. Et on va tout de suite le mettre en place. Donc, là, on a quoi? On a augmente la force de durée d'étourdissement, ok. Initiating glory kill de beaucoup plus loin, ok. Et les ennemis tués par l'onde de choc de frappe. Ah bah ouais, mais non. Et ça, c'est... Ah putain, j'ai pas pris celui-là. Si, j'ai pris celui-là. Merde. Ouais, tant pis. Je reste sur la configuration que j'avais. Que je trouve bien plus intéressante. Donc on a tout fait. On va stopper sur cet instant. On se souvient que bah du coup il y a cette partie là que j'ai pas pu faire. Il doit me manquer un élément pour faciliter le fait de buter les autres cacodémons à la con là. Et du coup ouais bah, il reste encore quelques petites choses à faire. Hein. Je vous avais dit de toute façon, hein, je pense qu'il reste encore deux autres épisodes à faire sur ce niveau. Et du coup, bah, je vous dis rendez-vous au prochain. A plus. Ciao.